1995, au lendemain du référendum qui a vu le Cantonon l'emporter par moins de 1% des voix, le gouvernement fédéral réévalue sa stratégie. Ottawa avait sous-estimé les dangers que faisait peser sur le Canada Lucien Bouchard, Jacques Parizeau et le jeune Mario Dumont. Cette réévaluation conduit Ottawa à mener une campagne de promotion du Canada au Québec. Depuis, impossible de vivre dans la belle province sans voir de drapeau du Canada. C'est pas mêlant, ils en mettent partout, impossible de s'en sauver. La championne de cette campagne est la ministre Sheila Copps, qui distribue à qui mieux des drapeaux canadiens, même aux plus petits d'entre nous. Toute cette publicité a fini par affecter mon oncle Serge. Il s'est dit, faut pas que je me demande ce que le Canada peut faire pour moi, mais ce que moi je peux faire pour le Canada. Fait que mon oncle a décidé lui aussi de faire sa part dans la promotion du pays, et c'est pourquoi il vous présente ce soir son spectacle « Mon voyage au Canada ».